Si vous vous souvenez de ce qui s'est passé la dernière fois, notre héros, il avait réussi à passer. Enfin, sauf Pikachu, parce qu'il avait un mauvais comportement. Et donc, ils vont devoir subir dans l'épreuve de type poison. Je me demande qu'est-ce que ça pourrait ressembler, mais bon. Ah, les voilà qui arrivent. Il faudrait mieux que je me cache. Bienvenue dans la maison du Pokémon Totem. Quoi, on va rentrer là-dedans? Exactement, c'est l'épreuve. C'est soit là, soit vous avez perdu. Ouais. Ah, bon, ben, on va devoir participer. Non! Non! Mais tais-toi, Chips! C'est l'épreuve! Non! Non, vous pouvez y aller, parce que là, ça va pas être beau à voir. Je comprends pas pourquoi... Hé, le poubelle est enfermé! Ah merde, c'est vrai, j'ai oublié de vous prévenir. Vous devez entrer là-dedans avant qu'il ferme. Parce que le Pokémon ne supporte pas de la luminosité. Comment ça? Non, laisse tomber, franchement, allez, entre, entre! Et bats-le! Non! Bon, entrez! Bon, bah, allons-y! Oh, ça va pas être beau à voir! Oh, ça pue! Je pensais qu'il y aurait pas une bonne odeur, mais pas ce point-là! Moi, je m'en fous, j'en ai l'habitude des mauvaises odeurs, parce que tu... Ah oui, je sais, parce que tu manges du poisson, t'as deviné! Alors, voyons voir où est-ce qu'il peut être le Pokémon. En tout cas, Larsen et Chips n'ont pas vraiment prévenu. Ouais, tu te souviens que les dominants sont des Pokémon évolués? Oh, ça va, Marisson! J'ai déjà battu Ratatak dans Pokémon Soleil et Lune, quand j'étais starter, voilà. Mais bon, on peut le vaincre. Je me demande quel genre de Pokémon dominant ce pourrait... Mais... C'est quoi ce bruit? Reste sur ton garde, Marisson. Je suis presque à parier que le Pokémon peut te faire un coup de pute. Eh, tu dis que... Franchement, c'est pas bien de dire des vilains mots, franchement. C'est pas bien de dire je m'en fous! Oh, c'est vrai. Mais enfin, bref. Eh, Marisson, c'est pas parce que tu es un Pokémon type plante que tu dois forcément d'avoir peur. Et tu sais, franchement, si tu es beaucoup plus expérimenté, tu devrais le battre. Mais c'est un Pokémon évolué. Bon, d'accord, ça va. Derrière vous. Hein? Montre-toi. Si tu es vraiment un vrai Pokémon évolué. Moi, Bright Max, le Pokémon détesté par les fans, même les vrais. Je suis le seul Pokémon détesté. Pourquoi? Parce que j'ai un design de poubelle. Alors qu'il y a des Pokémon beaucoup plus moches, comme Dracolos, Crotalmorph, ainsi que Vortant. Pourquoi je devais être beaucoup plus détestable? Argus, c'est plus moche. Moi, je n'ai rien fait de mal. Mais pourtant, je suis le Pokémon détesté. Voyez-vous, les fans, ils ont maniaque parce qu'ils passent leur temps avec faire l'inferno, Palkia, Reshiram, ou bien encore Flamia, ou... Avec Marisson. Et moi, qu'est-ce que j'ai? Un design de merde. Miasmax. Il a fallu que ça soit Miasmax. Ouais, et alors, hein? Alors, vous êtes là pour l'épreuve, hein? Parce que c'est moi le totem. Totem pas... Ouais, non. C'est moi le totem, donc ferme ta gueule. Flamiaou, quoi? Vu que tu as été talentueux la dernière fois, tu peux le battre. Marisson, arrête d'être un lâche.
Bon. Qu'est-ce que tu veux, toi? Battre. Battre. J'arrive pas à y croire que Larsen et Chips n'aient pu choisir un Pokémon que celui-là. Pourquoi pas Brutapod? Brutapod est un Pokémon type insecte, et les Pokémon type insecte ont effet contre les Pokémon type en plante. Oh, tu en as jamais marre de toujours me démoraliser, Flamiaou? Vas-y, Marison. Quoi? Montre-lui si tu en es capable. Je peux pas. Mais vas-y, fais-le. Tu es un Pokémon? Ou un tapette? Bon, d'accord. Oh, un Pokémon type plante. Rien de tel d'un Pokémon type plante. Ok. C'est tout? Hein? Du poison? Eh ouais. Et je peux en faire pire, hein. Je vais te donner la claque de ma vie, mais avec poison. Ciao! Alors, c'est vraiment tout ce que tu peux, Marisol? Oh, mais franchement, t'es franchement pathétique. Oh, franchement, Marisol, arrête de faire le cinéma! Mais je suis un Pokémon type plante! Mais tu l'as empoisonné en plus! Morsure avec poison. Alors toi, je vais te... C'est tout. Même avec un coup de gifle, t'es même pas capable de me battre. Plaquage. Casse-toi, toi. Quant à toi, Flamiaou, j'espère que tu auras beaucoup plus de talent. Ça, tu peux le dire. Flamèche, hein. Alors là, franchement, tu es franchement un véritable enfoiré, toi, comme Pokémon. Détruiteuse. Non, pas comme bon griffe. Espèce d'imbécile. Pourquoi tu... Qu'est-ce que tu crois, hein? Je suis un Pokémon type poison, hein. Et franchement, tu as eu le temps de toucher. Quoi? Tu crois sincèrement que... un coup de poison, ça pourrait me réussir à me faire battre? Pas t'as tort, je suis beaucoup plus rapide. Merde, c'est vrai, il a pas tort sur ce point-là. Et maintenant... Alors toi, plaquage. Oh non, mes détritus adorés. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a, mon très cher poubelleux? Poubelleux? Personne ne me traite de poubelle. Je suis un dépotoir. Nuance. Ah ouais, c'est ce que tu crois, hein? Attends. Ah, franchement, ça fait vraiment gagner pas mal d'expérience quand je bats ce genre de Pokémon. Oh non, je peux pas me faire battre par un petit Pokémon comme toi. Et maintenant, pour en finir, surchauffe. What? Échec et mat. Pas mon Pokémon. Bon, maintenant tu peux... Quoi? Attends, comment ça se fait ton Pokémon? Bon, ben, je pense que vous avez gagné, je vais devoir vous soigner en claquant les doigts. Qu'est-ce que... Hey, je me sens mieux là. Et tu as battu Biasmax? Ouais, pas grâce à toi. Félicitations, mes très chers deux coéquipiers. Quoi? Comment ça, deux?
Bah ouais, mais franchement, tu as aussi en travaillant en équipe que vous pouvez réussir. Ah, c'est vrai, merci. Sauf que le problème, c'est que j'ai battu Miasmax tout seul. Ouais, mais une équipe, c'est une équipe. Bon, enfin bref, notre Pokémon a quand même fait du bon travail. Je vous laisse passer pour l'épreuve avec Lorenzo, mais je vais donner votre... Non, les cristals, ce n'est même pas nécessaire. Quoi? Mais vous avez... Non, tout ce qu'on veut, c'est notre emblème. Bon, si vous assistez... Et attendez une minute. Si vous a dit que c'est vos Pokémon, ça voudrait dire que... Ouais, on est les dresseurs de Pokémon. Qu'est-ce que tu crois? Et franchement, ça doit être le bon moment pour les capturer. Oh non. Bonne idée! Comme ça, on va pouvoir avoir 3 équipes et un Pokémon pour partager, ça c'est vrai! Capturons ce Pokémon sans plus tarder! On se casse! Oh non, attendez, vous êtes pas drôle là! Ouais, tu sais quoi? On a qu'à trouver un moyen pour les capturer! Ouais, exactement, surtout que ces designs sont très loulous! Ouais, mec! On va les suivre, que ça leur plaise ou non! Oh, 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 oh! Est-ce que ça valait la peine d'être satanique? On est les dresseurs, être dresseur, ça veut dire pas être satanique. Oh, et c'est ainsi que se termine cet épisode. Notre très cher Flaméo avait prouvé qu'il était capable. Il a non seulement réussi à battre chaque Creepor, mais en plus Miasmax. Marisso a du mal à se remettre. Mais t'es qui toi? Tu serais pas celui qui a été éliminé dans Pétanque Express? Oh, mais taisez-vous là! M'en fous, je me vengerai. C'est pour ça que j'adore ce Pokémon. Tant qu'on le déteste, tant que tout le monde déteste, wow, on le soutient. Ouais, carrément, mec. Bande de faillots. Hé, hey, toi, t'as quoi comme Pokémon, toi? J'ai un Vortante. Vortante, c'est nul, ça. Ouais, c'est moche, ça. Bande de jaloux, ils sont jaloux.